Soumzuid, au royaume des Pays-Bas. Et tous les trains attendus de part et d'autre de cette bourgade passent par sa gare ferroviaire. En cette deuxième moitié du mois de septembre 2012, des stagiaires de la RNTC venus d'Afrique y ont émis du sunshine. Hier, parti de sa gare nord à 19h15, c'était notre passage pour un dernier voyage vers Otré. Aujourd'hui, de la baie vitrée de ce réceptacle hôtelier, j'observe. J'observe les derniers mouvements de ce côté de la gare. Les alentours de la gare de Boussoum Sud s'animent. Membres de la cohorte stagiaire africain, prêts à rejoindre nos pays respectifs. Le paysage médiatique de la Hollande et le domaine de notre formation galvanise. Nous sommes arrivés donc en fin de séjour pour ces 15 jours de formation, gestion de la diffusion, gestion des entreprises de médias. Et voilà, nous nous apprêtons à rentrer, on attend juste le taxi à flotter pour nous emmener à l'aéroport. Excellent comme séjour ici, en terre du Pays-Bas. Plus loin, les trains défilent. La leçon principale à retenir de ce stage intensif tourne autour du rôle des gestionnaires de la télédiffusion média. Nous avons beaucoup appris en termes de stratégie de communication, en termes aussi de ce qu'on va appeler la gestion des ressources humaines. Au sein de cette gestion des ressources humaines, nous avons eu à visiter les stations de radio-télévision, que ce soit le groupe Point 20. Au niveau de Eindhoven et le groupe NOS au niveau de Hilversum. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a rien de sacro-saint à avoir beaucoup de télévision sans ce qu'on appelle des gestionnaires. C'est un besoin pour la viabilité de ce qu'on va appeler l'industrie télévisuelle. Ce que vous entendez derrière, c'est le bruit du train qui passe. À l'image de toute la Hollande, l'intensité du trafic ferroviaire reste normée pour les usagers de la route. Et tout marche pour le mieux autour de cette voie ferrée. Welcome everybody.
Du côté de l'aéroport international de Schiphol, les voyageurs s'activent. J'imagine qu'à défaut d'être parti dans l'un de ces nombreux vols, la plupart de mes camarades de classe s'affairent. Nous sommes pratiquement parmi les derniers à quitter. Enfin, nous quittons les abords de l'hôtel Bastion à Busum Suite. Passant en revue ces semblables voitures, notre véhicule de marque allemande donne un rendez-vous à ces automobiles garées au parking. Nous prenons notre gauche, la direction contraire à l'axe qui menait 15 jours durant à Hilversum. Nous dépassons l'usine des eaux de Busum pour traverser une autre partie de cette ville. Nous sommes en partance pour l'aéroport, et en principe, dans 15 minutes, maximum, nous essayons, il faut commencer la formalité. La Hollande est un très beau pays qui a ses particularités architecturales, ses routes très bien couronnées, ses trains qui valsent, ses voies d'eau et ce qui est surprenant, beaucoup de vélos. Sur ma tablette Android, le GPS signale que nous traversons la nationale aux abords de Naarden. Pleine d'histoire, voici Naarden, vue par un journaliste. It is a city, a small city. Le journalisme incarne aussi l'avenir de la vidéo et du journalisme qui passe par l'utilisation des drones au service des reporters. From the sky, that's very nice. Yeah, you found it on your Google. Notre conductrice nous parle de cette petite ville fortress. Not this Sunday, but the Sunday before, they had an open monument day. Okay. So you can could be free in all the buildings. Good. Yeah. Et la discussion continue de plus belle. How many days were you here? 15 days training in broadcast management. Yes, for NTC. I love that place. Yeah. I might come back for a year. Oh, really? In Utrecht. I have designed a brand for sportswear. Okay. And the brand has a meaning in Holland. Oh, so you must be here then. Okay. In my country, it means yes. Oh, really? Yes. Okay. Which country is this? Senegal, in West Africa. Okay, nice. Well, I'm lucky to be among the 20% of Senegalese who speak English. Yeah. That's why I had a chance to come and study here. Yes. Demander la permission de filmer quand c'est trop tard pousse aux éclats de rire et brise la glace. Too late.
agent de l'aéroport international de Schiphol. Et ce que j'aime beaucoup en Hollande, tout est presque vert, tout est bien entretenu. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un pays à colonne équilibrée. Et tout se passe très bien. Et on se perdrait très facilement entre pont, verdure, champ. Donc nous ne sommes plus loin de l'aéroport de Schiphol, au niveau d'Amsterdam. Dans cet aéroport de Schiphol, les voyageurs s'affairent autour du meeting point dans le Schiphol Plaza, un lieu de rencontre signalétique qui témoigne de tout va et vient. Sur le tarmac, c'est un ballet incessant d'avions qui rythme le pool de l'aéroport de Schiphol. Plus bas de l'aérogare, cet aéroport est aussi un point de rencontre avec le train. Le train avec sa gare ferroviaire. Un autre tunnel sur le même axe et à moins d'un kilomètre mène à l'aéroport. Et donc là, nous entrons dans le tunnel qui mène vers l'aéroport. Nous nous approchons de cet aéroport par sa façade dédiée aux voitures de ce côté du tunnel. De loin, j'aperçois Schiphol et sa tour de contrôle que j'entrevois dans une vue. Schiphol, une autre ville dans le Grand Amsterdam que nous traversons avant d'arriver à l'aéroport. Une demi-heure pour récupérer mes fonds dits tax-free. Et ainsi faire les dernières formalités d'enregistrement. Le temps de remettre les rideaux à leur place, mais aussi de dire au revoir à la conductrice, nous voici dans l'aéroport. Au revoir Amsterdam. Le hall d'attente nous laisse entrevoir une partie du tarmac de l'aéroport. Dans ce ballet incessant, défilent les avions. La fatigue et le rhume se lisent sur mon visage.
À mon tour de passer aux formalités d'embarquement. La file indienne se forme devant le comptoir. Nous sommes à bord de Royal Air Maroc, dans quelques instants, direction Casablanca. Dans ce vol, la rame, les passagers rangent leurs bagages à main selon leur place et l'ordre alphabétique dans chaque rangée. Attention pour chercher de l'air. Pas de baie vitrée. Aucun œil de bœuf ou vitrail. Ici, c'est ton hublot, juste à ta gauche. Là, ce n'est pas la bonne direction. Et n'agissez pas comme cette personnalité américaine qui aimerait ouvrir les fenêtres des avions. Sur le tarmac, comme dans la cabine de pilotage, l'on s'affaire. Aucune ironie dans les propos plutôt gênants de l'homme politique habitué à emprunter régulièrement des avions, mais la réponse est ailleurs. Comme lui, ils sont nombreux à ignorer la raison pour laquelle les hublots d'un avion ne s'ouvrent pas. Ah, et voilà, les hublots sont juste ici pour donner de la lumière du jour et pas plus de nuit. À notre convenance, l'air et la lumière artificielle viennent de l'aéronef. Le placement volontaire dans l'avion dissimule des raisons inavouées. Le hublot et le couloir, quand ils sont choisis, renvoient à deux attitudes, deux philosophies de l'existence. Le hublot est la place des rêveurs et des contemplatifs comme moi. Je suis un monsieur hublot. Ceux qui ont peur de l'avion préfèrent le couloir. À cette place-là, ils ont le sentiment de toucher la terre. La place du couloir est celle des actifs et des pragmatiques. Leur devise est empruntée à Paul Morand, l'homme pressé de la littérature. Que de temps perdu à gagner du temps. Merci, tout se passe bien, on patiente encore une dizaine de minutes. Et voilà, les bagages se mettent en place. Notre devise à nos passagers du hublot est en train de s'exhiber. Ce qui importe, ce n'est pas d'arriver, mais plutôt d'aller vers. Pour certains, nous avons conservé notre esprit d'enfance. À travers le hublot, nous espérons toujours entrevoir le village dans les nuages. Sur un autre vol, un autre Boeing 737-800, les passagers vont à Londres, alors que notre avion est tiré vers la piste d'envol. Nador Lairoui Airport, our next stop within a flight of 45 minutes. Cellular telephones and radios are not to be used at any time. Et nous passons en revue d'autres avions qui embarquent le fret. Ah, la question du poids revient toujours. Ce vol n'a pas fait le plan de passagers. On peut bien changer de régime de siège. Êtes-vous une fausse Miss Hublot? Non, restez ce que vous êtes. Cet appareil est équipé de 4 issues de secours situées de chaque côté signalées par un panneau exit. À l'avant, au milieu et à l'arrière, le cheminement lime la planche pour conduire 6 issues. Les derniers réglages s'effectuent dans la cabine de pilotage en rapport direct avec la tour de contrôle pour une bonne sortie.
Très très bonjour, Tom Lest. Ok, copy. It will be via the exit 16. Continue all around the inner loop to come back on the outer loop because the traffic has pushed on your left. You will gain time. Okay, so non-standard, right on the alpha, inner loop, all the way out from exit 16 and then all the way around, non-standard to the outer, to Mike. Is that correct? That's correct, sir. Thank you. De retour, il est là, à travers ce premier vol de l'Airbus Survol, et nous allons vers Casablanca. Et nous avons 27 hommes, 43 femmes, 7 enfants et un bébé, et on a un zéro fuel définitif à 41 947. L'équation poids et passagers reste limitée par ces inconnus à réguler et respecter. Calcul au hasard, en tout cas, les règles de sécurité européennes prévoient 48 kg pour un homme, 70 kg pour une femme et 35 kg par enfant. Résultat, hormis les bagages, le kérosène et l'équipage, un excédent de quelques 400 kg rend impossible le décollage d'un avion. Trop de sportifs comme les lutteurs et rugbymen pourraient occasionner pareille situation. L'aile gauche de notre avion semble s'élargir. Elle obéit à une des lois de l'énigme qui soutient le vol de tout aéronef. Le vol défie les lois entre le terrestre, l'aérien et même le spirituel. Nous sommes dans les nuages et il n'y a pas d'horloge sans horloger. Un nuage, c'est non seulement un genre, mais aussi une espèce, une ou plusieurs variétés. Ne confondons pas les nuages avec les photométéores, qui sont des phénomènes optiques. Voici une gloire de notre aéronef pour en témoigner. Cette gloire se matérialise ici par plusieurs séries d'anneaux colorés autour de l'emportée d'un avion sur un nuage. Pour tout ce qui concerne l'énigme du vol d'avion, à bientôt. D'ici là, gloire à Allah, Dieu le Tout-Puissant, Maître des cieux et de la terre. Everybody, now come a little closer, 'cause we got something for your mind.